Bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est l'invocation de Mamadou Du qui est avec moi. Bonjour. Bon bah c'est parti, donc là on est fou là. J'espère avoir au moins 4 étoiles pour lui parce que là vous allez voir c'est un compte tout maudit. On commence. Bon alors, vous l'avez vu pendant la première vidéo, le taoïste, il est très bon. Il est fou, mais le problème c'est que c'était pas le monde à montrer 5 étoiles en premier. Vous allez voir pourquoi, il ne fallait pas le monter 5 étoiles. Mais il n'a pas eu le choix, on va dire. Parce que... un chevalier magique. D'accord. On est d'accord, mais où est le deuxième? Où est le deuxième? Où est le troisième? Où est le quatrième? Bon. Je crois que je l'ai mis dans mon incubateur. Ouais, on va vous montrer que... C'est un compte tout maudit. Ah non, je sais. Il l'a jeté, il l'a foutu. Je l'ai foutu pour monter un 5 étoiles. En fait, il a eu peur d'avoir la malédiction aujourd'hui. Donc il a flippé et voilà. Donc ouais, d'accord. Donc, on est parti. C'était pour monter ma faucheuse. Taoïste. Sûrement bien runé, donc monte tes runes. Oui. Donc là, c'est. Fatale énergie. Fatale énergie, c'est plutôt pas mal. Mais bon, on verra. Tu verras peut-être plus tard, peut-être le runé Némésis. On verra bien. On continue. Donc. Ensuite, on a Elucia qui est sûrement bien runée. Parce que quand on voit les runes, ça fait quand même 7600 de plus de PV. Ça peut être bien pour tout ce qui est endormir les personnes, enfin les monstres ennemis. Donc pour l'instant, c'est pas mal. Il n'y a pas de 4 étoiles, c'est que les 3 étoiles. Donc, et Lucia, donc c'est peut-être plus facile à éveiller les 3 étoiles. Oui, là, c'est plutôt pas mal. Elle est bien runée. Après, est-ce que c'est vraiment PV pourcentage? On va voir ça tout de suite. PV pourcentage, c'est des runes 3 étoiles. Aïe, 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 aïe. Ouais, quand tu auras des runes plus fortes, tu les mettras. T'inquiète. Ensuite. Il va. Pour moi, ça c'est le souhait absolu. Ça c'est le monstre qu'il fallait monter direct 5 étoiles et pas autre chose. Après t'as peut-être eu les autres avant. Je sais pas, mais ça je l'ai eu en fake. Alors là c'est tout de suite là quand on voit ça, on se dit l'attaque est bien. 601 de plus il me semble, non 801. Faut que tu la runes fatale énergie direct, ça sert pas à grand chose sinon. Parce que là ça fait full fatale, d'accord. Les runes s'accumulent mais ça sert à rien. Parce que si tu mets full énergie... Ça va si tu mets 2 runes énergie, ça va te faire 15% de plus de PV, ce qui est encore mieux. Ensuite, ouais. Ikaru, donc là tu l'as eu directement comme ça. Oui. C'est pour la fusion, donc c'est bien. C'est pour ça que je le laisse là. Il faudrait Griffon haut, je crois que tu l'as aussi, on verra bien. Chevalier magique, donc tu le runes pas, c'est bien. De toute façon, tu as eu peur de la malédiction. Encore un food, encore un autre food. Bon, voilà, ton équipe géant commence. Shannon. Direct éveillé. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Il a toujours des trucs éveillés, j'espère que je vais pas lui choper un truc direct éveillé. Alors là, Michel, là, c'est bien. Par contre, rune là direct, full énergie. Hein. Okay. Attends pas. Ensuite, Arsenemon, c'est du food, bien sûr. Qui montrait un Arsenemon. Ensuite, requin coursier, Acus. Donc, si t'as pas Raok, tu prends Acus. Ours de guerre. D'ailleurs, il est maxé. Ours de guerre, il faut que tu le montes, c'est Ramagos, donc monte-le pour son dernier skill. Et ensuite, on a du food, sauf que Namiya, j'ai vu un chasseur de tête, il me semble. Non, c'est pas ce compte-là. Si, un chasseur de tête, mais c'est le vent. Ouais, mais c'est le vent, donc c'est Wine, c'est pas terrible. Il y a Kali aussi. Oui, Kali, ton frère, voilà quoi. Griffon haut, Talc, c'est un bon tank, Mammouth de combat haut. Tant que t'as pas Basalt ni d'autres monstres. Donc on est parti pour la summon session. Et puis on va voir ce qu'on va avoir. Alors il nous reste 5 minutes de vidéo, on est parti pour la summon session Mamadou Du. Le stress monte. On commence par quoi Mamadou Du? Bah le volant avec les gemmes, c'est le seul qu'on a. Bon bah c'est parti alors. J'ai flippé ma mère. C'est parti. Allez, je regarde pas. Première invocation. Moi non plus je regarde pas. Attention, qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est un loup-garou qui est pour la fusion de Katarina, c'est pas mal. Pour ça, un début ça peut aller. On va voir. Je l'ai jamais eu, c'est... Donc bah, c'est ce qu'il faut. Chance. Alors là, il nous reste UV Venom ici, qu'on a une chance sur 10 d'avoir un 4 étoiles en principe. Il n'a pas eu 4 étoiles depuis le début du jeu, donc s'il n'a pas un 5 étoiles, il y a un problème. On est parti, t'as assez de mana, on est parti pour le deuxième vélin mystique. Et cette fois-ci, est-ce qu'on va avoir des éclairs? On va avoir un requin coursier feu. Est-ce que la malédiction est encore là? Est-ce que ce compte est maudit? Oui, il est maudit. On est parti. Encore un autre. Bon, pour l'instant... Faut les garder quand même. Et on va avoir quoi pour le prochain invocation? Ça sera un expert en armes à ciel feu. Oh non. Non même moi quand j'ai ça sur mon compte, j'ai envie de pigner, mais là je pigne doublement. Crois pas. Bon allez, si veut la mystique, peut-être encore une chance. Bon alors, vas-y ouvre le vélin. Vas-y, essaie de pas trop gêner l'écran.
Et tu vas avoir quoi? Encore de la merde. Qu'est-ce que tu vas avoir? Un nouvel élémentaire. Vent. Oh non, 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 par contre, j'espère que ça va pas faire comme ma simulation de la dernière fois. C'était 5 eaux élémentaires à la suite. Non, non. Il nous reste 5 vers mystiques. C'est toi qui ouvre. Go. Des éclairs! Des éclairs, yes, enfin! Yes, yes, yes. Enfin des éclairs! Kitsune! Kitsune! Yes. Et voilà, voici le premier 4 étoiles natif de Mama Dudu. Il est faux, il est chaud, c'est Kitsune! Yes. Bon bah ça, tu verras bien. Non, non, vraiment pas envie. Ça, tu verras bien. Plus jeu que dans un mois. On continue. Attends. Tu veux bien me la monter? Ouais, ouais, t'inquiète. On continue, deuxième, quatrième. Resquette vélin. Oh, yes! Et ça sera une sorcière mystique, c'est pas là. Oh mince, sorcière mystique, faut quand même la garder. T'es quand même refait en continu. Un autre, va-t-on avoir quelque chose? Non, je pense pas qu'on aura d'autres éclairs dans cette session. De toute façon, pour l'instant, t'es content. Bon, vas-y, ouvre-en un parce que là j'en ai marre. Il nous en reste deux, après on va aller voir. On va aller voir vite fait. Oh, allez, il y a peut-être pas d'éclairs. Toujours pas d'éclairs. Et je pense pas qu'il y aura d'éclairs jusqu'à la fin. Archer magique feu. Au moins un 3 étoiles que j'ai pas encore. Bon, le dernier. Donc là, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Et on a que de la merde. D'éclair. Et ça sera quoi? Ça sera le nouveau monstre. Oh yes! Le Argue Eau. Yes! Alors je sais que le Argue Vent c'est le meilleur. J'ai le Argue Feu. Et moi j'ai mais le celui-là il est bien parce que c'est le Argue Eau. Donc alors maintenant on va aller voir ce qu'on a eu. Alors qu'est-ce qu'on a eu de beau dans ce compte? Bon, non, on a ma malédiction à moi parce qu'en fait j'ai sur tous les comptes ce mob. Voilà, je m'en fous, moi j'aime bien. C'est très beau, c'est très beau. Son premier 4 étoiles, enfin. Oh putain. Alors là, ça bug. Alors, Argue Eau, je ne sais pas comment on le rune. Faudrait aller voir sur internet. Voir les compétences. On verra ça plus tard. Ouais, attaque l'ennemi ciblé et augmente 15% la touche d'attaque. En gros, ça va te auto-buffer tous tes mobs. Ça va tuer un petit peu. Ensuite, attaque l'ennemi, réduit 50% la touche d'attaque et réduit la cible de 50%, de 70% de chance. Réduit la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Inflige des dégâts proportionnels à ta défense. Donc lui, il faut le runer défense. Ok. Donc un petit peu énergie, on continue, et ensuite, ce n'est pas un passif, augmente le taux critique de tous les alliés pendant 2 tours, et réduit le taux critique si tu es attaqué. En gros, tu vas moins prendre de dégâts de taux critique, et tu vas en plus en faire. Okay, ça, ensuite, on a bien sûr qu'un coursier feu, ça aurait été mieux le haut, mais bon, c'est pas grave. Expert en arts martiales, tu l'as déjà aussi, Cassandre, tu l'as déjà aussi. Loup-garou, fusion Katarina, c'est bien. Sorcière mystique, c'est pas mal aussi. Et enfin, deux hauts élémentaires. Bon, on en a un, on en a deux. En même temps, ils sont deux. Voilà, ils sont, on est ils sont là, quoi. Regardez, hier, yeah, c'est le show. Kitsune O. Je suis refait, c'est bon, ça voilà. Me suffit. Voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo, ça sera la semaine prochaine. Donc là, on est on samedi. On peut pas faire invocation. Ah non, pas là, on est samedi, mais la prochaine vidéo, ça sera mercredi prochain. Ça sera encore du Summoner War et celle d'après, ça sera sur du FUT. Donc, Du FIFA. Donc, vous allez faire une petite présentation de Squad Builder. Donc, parfait. On va repartir en force. Donc, en tout cas, j'espère que tu auras aimé mon truc. Merci, Melvin. Je t'adore. Cette vidéo est présentement terminée. C'est pas grave. Si ça t'a plu, like et enfin commente et abonne-toi pour cette invocation parfaite. Dans un mois, je like toutes tes vidéos. Je m'abonne.